Pour de vrai? T'es pas sérieux? Hey, c'est super, ça! As-tu peinture que je vais être là? Hey, j'ai hâte à asseoir. OK, c'est ça. C'est l'Einstein. Yes! Faut que je pratique. C'est pas quoi? C'est maintenant officiel. Je suis le nouveau batteur des Bananas. C'est ben le fun. Ben plate. Ça va pas ou quoi? Ça va pas très bien, non. C'est Sandra au téléphone. Ça fait peut-être 100 fois qu'elle appelle depuis hier. Je suis écœurée de lui répondre. Ah ben là, j'ai pas le temps d'y parler. Faut que je pratique un morceau, là. J'ai même pas encore été capable de jouer comme du monde. Ça fait 3 jours que tu joues le même morceau puis tu le sais pas encore. Hey, qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi, hein? Au lieu de m'écœurer avec ça, là, dis donc à Sandra que je suis partie à l'école. Là, là, je suis tannée de faire tes messages. À part de ça, qu'est-ce que t'attends pour lui dire de nous ficher la paix? Elle est tout le temps après moi, là. Je sais plus quoi lui dire pour qu'elle comprenne, moi. OK, je t'avertis, là. C'est la dernière fois que je fais tes messages, OK? Promis. Sandra, il est occupé, là. Non, il peut pas te voir, il te parlera à l'école, OK? Correct? Bye-bye! Salut! C'est le répondeur! À cause de Sandra, moi, j'ai manqué hier. Ça m'énerve, belle. Papa, peux-tu venir nous reconduire à l'aréna ce soir? C'est pas là. Passe-moi le lait, veux-tu? Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est Yann qui a une partie de hockey avec la gang de son ancienne école. C'est loin. Puis après, ils font un party. Son père est occupé, je suppose? Son père, il s'en va à Québec pour la fin de semaine. Ah! C'est vrai, il va rejoindre Marie. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire le taxi pour son fils, le gars. S'il vous plaît, papa, reviens-en, OK? Maman fait pas une dépression à chaque fois qu'on prononce le nom d'Hélène. C'est pas pareil. En tout cas, tu peux ou tu peux pas venir nous reconduire, là? Vous pouvez pas prendre les transports en commun, là? Papa, c'est 2 autobus avec un équipement de hockey en plus. Ouais. Ben, ça dépend si Michel a une pratique, là. Ça a bien l'air. Bon, ben, je vais essayer de m'organiser. Ben, j'espère bien. Bye. Comme ça, c'est ta première répète ce soir. Tu dois être content. Ouais, c'est plus sûr. Comment ça? Je sais pas si je vais y aller. Ça marche plus, l'orchestre? Elle vient pas me dire que t'as changé d'idée, toi, après tout le char que t'as fait pour que j'accepte, là. Hey, je le sais pas, je te dis. Là, arrête de m'achaler avec ça. Mm-hmm. Parfait, mais quand est-ce que tu vas le savoir? Parce que ta sœur aussi a besoin d'un transport. Mais laisse faire ça, d'abord. Non, Michel, j'ai pas dit que je voulais pas aller te reconduire. J'aimerais juste savoir à quelle heure t'as besoin de moi. C'est quoi le problème? Ça me tente pas d'en parler, là. Il me semble que c'est pas dur à comprendre, ça. Parfait, OK. Tu veux pas que je me mêle de tes affaires? Je vais te le dire, si tu veux savoir. Je me trouve trop poche pour jouer dans un band. Non, Michel, moi, je suis sûr que t'es capable. Donne-moi ta réponse à midi, je vais être ici. C'est ça. David va me donner mon cash cet après-midi. Comment t'as fait ça? Tu as tordu le bras? Mieux que ça. J'ai défoncé chez eux puis j'ai repris toute sa chambre à l'envers. Ouais, tu joues dur, me lâche. Ça y apprendra pour payer ses dettes. Hein? En fait, tu m'as pas encore payé pour la dernière livraison. Ah, t'es sûr de ça? Correct. Je vais te donner l'argent ce soir au bureau. Suite après l'école, hein, parce que à soir, je sors avec Michel. Il semblait que vous sortiez plus ensemble. Et de quoi je me mêle? Ça se mêle. T'es mieux de pas m'oublier. Salut, Steph. J'ai pas encore vu Michel. T'es sûr qu'il semblait me rejoindre ici? Là, je sais, tu, mon whisky. Tu as dit que j'ai téléphoné hier soir. Ben, Sandra, t'as pas encore compris, là. C'est pas compliqué, ça, là. Il veut plus rien savoir de toi. Qu'est-ce que t'en sais? Il t'a juste à y demander.
là tu te caches. Salut. Qu'est-ce qui arrive avec toi, hein? Puis moyen de te parler? Ben, mettons que je suis pas mal occupé de ce temps-là. C'est pour ça que tu me rappelles pas. Qu'est-ce que tu voulais, hein? Ça me tentait qu'on sorte ensemble ce soir. Es-tu libre? Non, je t'en donne pas. Puis ce midi? Faut que je retourne chez nous. Comment? Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu pour vrai. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Je peux pas. Je peux pas. C'est tout. Mais c'est quoi le problème? Arrête de chercher des bébites où il y en a pas, OK? Comment tu veux que je le prenne? Tu voulais de l'air? Je t'en ai laissé en masse. Hey, je file pas aujourd'hui. J'ai une pratique à soir, puis ça me stresse, fait que, tu sais. Ah ouais? Pratique de quoi? Je joue avec les bananas. Toi? Tu passes pas mal vite dans les lignes majeures, je trouve. Il devait être mal pris. Qu'est-ce que t'essayes de dire, là? Non, rien. C'est juste que je suis surprise. Bon, ben, on se reverra une autre fois. Salut, là. C'est ça. Salut. Mais c'est pas compliqué, le 68, c'est comme le 69. Salut. On prendra ça demain, oui? Ben, allô? Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec votre téléphone? Ça sonne toujours occupé. Parle-moi-en pas, c'est Sandra qui monopolise la ligne depuis hier. Hey, tu sais, Hugo, le gars qui fait le party, là, oui? Ben, il invite tout le monde à coucher chez lui. Oh. Qu'est-ce que t'en dis? Je connais pas tes amis. Je trouve ça bien le fun de les rencontrer, mais ça me tente pas de dormir là. Hey, pas peur. On fera rien. Je te le promets. Franchement, là, c'est pas ça. T'es pas game quand tu veux. Ah, ben, tu vas pas me bouder pour ça, là. Correct. Ça peut te faire plaisir. Tu vas jouer avec les bananas? Ouais, les nouvelles vont vite. C'est quand le prochain spectacle, là? Je veux pas manquer ça. Ben, dans un mois, peut-être. Les bananas sont pas mal hot comme groupe, hein? Ouais, c'est vrai que ça sonne, leur tune. En tout cas, ça niaisera pas au pratique, hein? 4 heures sans arrêter. Hey, t'es mon idole. J'ai un autographe avec ça. Alors, c'est quand la pratique, là? Ce soir. Peux-tu y aller? Ah, tu sais pas, là, mais peut-être qu'il aimerait ça m'entendre jouer, hein? Non, non. Si tu viens de pratique, c'est pour nous écouter. Pas pour t'inquiéter une place, là, dans le groupe. Pas peur, pas peur. En tout cas, on s'en reparle, OK? OK. Bananas. Bananas. Voyons, elle est bien collante, elle, aujourd'hui. Salut, Steph. Salut. Est-ce que Michel est venu dîner? Il est pas arrivé, là. Oh, ben, si ça te dérange pas, je vais l'attendre. Là, c'est parce que je suis pas sûre qu'il va venir dîner. En tout cas, c'est ça qu'il m'a dit un matin. Oui, allô? T'es où, là? Puis tu viens pas dîner. Oui, 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 je vais le faire, le message à papa. Attends une minute. Sandra est ici, là. Sais-tu, moi? Je t'en passe. Salut. C'est Michel. Merci. Salut. Je pensais, je suis juste venue chercher les affaires que j'ai oubliées dans ta chambre. Ah, papa, Michel fait dire qu'il n'aura pas besoin de toi pour transporter sa batterie. Où est-ce qu'il est, là? Non, ben, il est au resto, il est au téléphone avec Sandra. Michel, écoute, vas-tu venir me reconduire? Ben, on va aller où j'y veux. Ben, je ne sais pas encore, il faut que je parle à Michel avant. Mais je... papa! Je vais être au resto. Mais... Michel Couillon, c'est rien qu'un chien sale! T'as peur de ça, là? Mangeons un char! Je m'en vais chercher mon stock dans la chambre à Michel. Pas de problème. Bon, Raphaël, je sais que ça allait à Nono comme question, là, mais... qu'est-ce que tu penses de moi comme drummer? Ben, t'es super. Ça me dit rien, moi, ça, super. T'es super tête quand tu joues. Un bon rythme. C'est évident. Je suis batteur. Ah. Ouais. C'est correct. Super, j'ai compris. T'es bien bizarre. Pourquoi tu me demandes ça? J'en arrache avec la toune de secours. J'arrive pas à la jouer. Je sais pas ce qui se passe, ça marche pas. Ça doit être les bananas qui te stressent de même. J'ai assez peur de me planter.
Mais là, tu vas pas lâcher le groupe. J'y pense. En tout cas, si tu lâches le groupe, là, tu peux me le dire. Hein? Moi, je suis pas pire à batterie. Je suis sûr qu'avec bien de la pratique, là, je pourrais être bien, bien bon. Non, ouais. Laisse faire ça. J'ai pas encore dit que je lâchais. Hein? Ouais. Ça de même. Mais tu m'as toujours pas répondu à ma question. Je peux-tu y aller à la pratique ce soir? Ben, elle est annulée, la pratique. Ben, c'est bien plate, ça. Tu t'en parlerais une autre fois. Ben là, faut que je retourne à l'école, moi. Pourquoi tu me regardes de même? T'as l'air de filer? Non, ça file pas pantoute. Sandra, décroche. Regarde, tu te fais du mal pour rien. Ah, oh, y'a pas le droit de me laisser tomber, je le prends pas. T'as quand même pas l'obliger à t'aimer. Ah, oh, laisse faire. Je capote à cause de ton frère, mais c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Dans le fond, tu dois être bien contente. Toi aussi, tu me reverras plus à la face. Dis rien qu'une affaire, OK? Je te jure que je vais le faire payer pour tout le mal qu'il est en train de me faire. Ça te donnera rien de plus, Sandra. Oh, vous faites suer, les couillards. Vous vous pensez tellement plus smart que tout le monde. L'air complètement parti. C'est à cause de Michel? Ah, parle-moi pas de couillard, j'ai rien qu'envie de les triper. Ce qu'il t'a fait pour que tu sois aussi enragé après lui? Mais monsieur est trop occupé, il a plus le temps de me voir. Puis qu'il joue des bananas, il est plus parlable. Il se prend pour une vedette. Il y a de quoi? Hey, tu m'avais pas dit ça? C'est quoi le trip, jouer dans un band, c'est comme jouer au hockey? Ça vous fait capoter, les gars? Si t'es entendu jouer, tu dirais pas la même chose. Tant qu'à moi, Michel joue comme un pied. En tout cas, je l'ai pas mal loin. Peux-tu bien me dire ce que j'ai trouvé à ce gars-là? Hypocrite en plus. On sait jamais ce qu'il pense pour de vrai. Ok, mais cœur, je l'ai, tu peux pas savoir. Juste à l'envoyer promener. Il y en est pas question. Il va savoir comment je m'appelle. Je vais y en faire voir de toutes les couleurs. Il a pas fini avec moi, ça, je te le jure. Ça va être laid. Il en voulait plus de problème. Peut-être à tu que je vais y en faire arracher. Aïe, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ses clés, en tout cas. Ça a l'air que t'as de l'expérience là-dedans. Oui. J'en veux pas, moi, Michel, là. Tu trouves ça correct, ce qu'il a fait avec moi? C'est pas cool, c'est sûr, mais... Suis-moi d'abord. Mais ça peut pas attendre, là. J'ai un examen après-midi. Ça prendra pas de temps. Oh, laisse faire. C'était trop pissou. Je vais y aller toute seule. Ça me donne à rien d'y aller si je suis pas prête. De toute façon, je sais même plus si ça me tente de jouer dans un groupe. Ça s'est passé comment à l'audition? Puis d'aller comme un malade pour les suivre. Je me suis trouvé super poche. Ça me donne à rien de continuer. Tu bûcheras un peu plus fort, c'est tout. Mais non, c'est pas ça le problème. Je pense que je suis pas assez bon pour être un vrai batteur. Michel, quand t'étais petit, là, tu transformais tout en batterie. Là. C'est pas compliqué. Écoute, les chaudrons, les plats de plastique, les couverts de poubelle. Tu t'approchais partout. Ouais. C'est tout. Il va pas dire que j'ai du talent, ça. Écoute, il t'aurait pas pris si t'étais si pas chanceux. Ouais, mais moi, je pense que c'est à cause d'Einstein qu'ils ont accepté de me prendre. Oh, écoute, arrête de te plaindre puis fonce, là. Je voudrais bien, mais j'arrive pas à jouer. Je m'enferche tout le temps. J'ai la chienne dans la pratique, là. Je suis sûr qu'ils vont me dire que je fais plus l'affaire. Michel, écoute, vas-y, là. Pis si ça marche pas, t'embarques dans un groupe quand tu te sentiras prêt. OK? Bon, retourne à l'école. Je vais aller te reconduire à ta pratique, soit. Ah oui, vas-y, vas-y. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Jack, si je me suicide, tu sauras c'est pourquoi, hein? Hé,
rien va faire, Sandra, tu vas pas péter sa batterie en plus! Non, moi, c'est à cause de sa maudite batterie-là si Michel veut plus me voir. Rien que ça qu'il mérite. Arrête, tu vas pas péter sa batterie en plus! Je m'en fous de ce que ça coûte! C'est-tu con, mais ça fout, cette affaire-là? Tiens, Michel Couillard. Ça va faire, Sandra, on retourne à l'école. Faut pas que je pense qu'on est venu ici. Hey, tu penses que je suis ici pour rien, moi? Il va me retrouver, mais ça sera pas long. Oui, t'es temps. Hein? Qui c'est que c'est ça? Qui c'est qui a fait ça? Et si je le pogne, je le tue? Est-ce que t'as là à gueuler comme ça? Non, mais regarde! Alexandra est passée par ici. Oh, la maudite! Si je la vois, elle, j'y pète la gueule en sang! Hey, elle a pas pris de temps pour se venger, hein? Je suis tannée, là! Elle est tout le temps après moi! Je sais plus quoi faire pour m'en débarrasser! C'est un vrai cauchemar, Michel. Mais hein, quand elle a pas ce qu'elle veut, elle pogne les nerfs et tout en revole autour. Ouais, elle a quelque chose qui marche pas entre les deux oreilles. Comment je vais faire pour aller à ma pratique à cette heure-là? Ouais. Pas fini avec elle? En tout cas, là, si elle pense qu'elle va me revoir de même, elle se met un doigt dans l'œil. Ben là, tu vas au moins la faire payer pour les dégâts. Mais je suis trop en maudit après elle, je veux plus jamais en voir. Puis tu penses que elle va te lâcher comme ça? Non, mais tu comprends pas son petit jeu? Mmh. C'est rien que ça qu'elle veut. Si je retourne la voir, là, elle va penser que je m'écrase devant elle. Ouais, ça se peut, mais si tu la vois pas, c'est nous autres qui va l'avoir sur le dos. Non, en tout cas, je manquerai pas ma pratique à cause d'elle, ça c'est certain. En tout cas, oui, là, il est temps que tu règles ça, parce que moi, Sandra Poulin, là, j'en ai plein mon casque. C'est fun que ton père vienne nous reconduire, mais faudrait partir d'ici 5 minutes. OK, papa, faudrait partir bientôt. J'ai hâte de jouer. Je suis rendu pas mal bon, tu sais. Mm-hmm. Deux bâtons. Mm-hmm. Écoute, Steph, ça vient. Il y a un petit problème, je peux pas aller vous reconduire. Faut absolument que j'aide Michel avec la batterie. Papa, t'as dit que c'était correct. Il est ben trop tard, là, pour changer d'idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'était pas prévu que Sandra pète sa batterie non plus. Même si Michel va pas à sa pratique pour un soir, il en mourra pas, hein? Non, justement, c'est la première, c'est ce soir, là. Hey, papa, hein? Vous trouvez une place, là. C'est pas loin d'ici, en plus. Bon, bien, écoute, on va faire une affaire. Je vais reconduire ta sœur et Yann. Je reviens dans à peu près une heure, puis je vais avec toi au magasin. Ça te va-tu? Ouais, ça me va, ça. C'est parfait. Je vais avoir le temps d'aller parler à Sandra. Ah, manque-la pas. Bon. Ben, êtes-vous prêts, vous deux? Je vais préparer mon sac à dos. Ah, papa, j'ai oublié de te dire ça. On reste chez Hugo après le party, là. Je reviens pas coucher à la maison. Attends, jeune fille, un instant, là. C'est quoi cette histoire-là? Vous allez dormir où? Papa, t'auras pas le goût certain de venir nous rechercher à 2h du matin, hein? Vous allez vous coucher où? Chez un de mes amis. Faites-vous-en pas, ses parents vont être là. Mais c'est pas ça le problème. Vous allez dormir où? Dans un lit. Qu'est-ce que t'en penses? On est toute une gang. Ben, dans ce cas-là, vous allez m'appeler, je vais aller vous chercher. Ben... ça risque de finir tard. Ça me dérange pas. Comme ça, je serai pas inquiète. Bon, ben là, je vais aller me préparer. Tiens ton cash. Bon, ben... faire un bout, là, hein? Fais donc ça. Puis, comment tu l'as aimé, ma petite surprise? Super. C'était quoi l'idée, au juste, là? Ça a bien l'air que c'est la seule façon de te voir la face. Moi, je regarde la paix comme il faut. Ben, c'est la dernière fois que tu vas avoir. C'est ça que tu penses? Là, j'ai besoin d'un drum pour asseoir. C'est toi qui vas payer pour. T'en as en masse là-dedans, là, pour faire réparer ta maudite batterie. Mais faut que tu me promettes quelque chose en échange. Ça dépend à quoi? Je veux pas que tu me laisses tomber. Va pas t'imaginer qu'on va reprendre, là, hein? C'est bien, mais on peut rester amis pareil. Non, c'est pas possible. Pas avec toi. Toi, c'est tout ou rien. Je te connais. On sera toujours des amis. Y a rien qui peut nous séparer, toi. Puis moi, je suis sûre de ça. Ben non.
T'es même plus mon ami. Je te demande pas grand-chose. Je veux juste te voir de temps en temps. Là, Sandra, là, il va falloir que t'arrêtes de t'accrocher à moi. Je veux plus que tu m'appelles, puis je veux plus que tu retournes chez nous. Jamais. Je te le promets, Michel, je n'en ferai plus de coups de cochon. Tu penses que je te crois, là? Tu peux me faire confiance. Tiens, pour te le prouver, là, je te redonne tes clés. Ah, parce que tu m'as piqué mes clés en plus. Ah, ben là, je veux plus jamais te revoir de ma vie. Tu peux pas me faire ça, je t'aime. Ben, pas moins. Salut!